Bah écoute, ça va, hein. En forme, j'ai une carte pour voir ce que ça va donner demain. On va essayer de ne pas faire de bêtises, surtout. Prendre du plaisir, si on va un peu moins vite, c'est pas grave, mais il y a absolument pas. Ouais. Je suis Maxime Escudier, j'ai 27 ans et je suis chaud bouillant. Un peu de stress, ça fait 8 ans que je ne l'ai pas fait, donc voilà, il faut s'y remettre doucement. Bébé et Nico, c'est la première fois qu'on roule ensemble, donc shakedown et ça va le faire. Alors ce premier run de shakedown. Tranquille, on a juste rodé les disques. C'est bon, ils sont bien rodés là. Maxime est rodé, il commence à être chaud. Ça va le faire. C'est la merde. Pourquoi vous avez tout démonté? Pourquoi vous avez tout démonté? Pour changer le radiateur parce qu'il n'était pas dispo, on avait dû en mettre un adaptable. Et là pour être conforme à la coupe, on est obligé de mettre le bon radiateur. L'artiste avec Nicolas Rouillard. Ah ouais, écoute, on est content d'être là. C'est pas un début de saison optimal pour nous, c'était pas facile, mais écoute, on a remonté la voiture pour être ici, on va essayer de reprendre confiance et voilà, c'est les spéciales que je connais un peu. Et bon, écoute, Maxime, c'est top, on s'est bien calé ce matin au shakedown, donc voilà, on va profiter de notre week-end, ramener l'auto entière, se faire plaisir et ça devrait faire un gros combo. Ouais, écoute, ça va. T'as vu, on a le soleil, il fait beau. Il y a tout pour que tout réussisse aujourd'hui. Nicolas, je l'ai rencontré par le biais de Philippe Curel. On est parti ensemble au rallye des Fonouillades. Lui, il copilotait Nicolas. Et voilà, moi, j'étais venu pour faire un petit coup de main à l'assistance. Et puis, bon, ça m'a plu. Et puis, on a continué. La force, bon, déjà, Nico, c'est devenu mon gendre. Bon, après c'est beaucoup en famille, quoi. Voilà, on se prend pas trop la tête. Yeah.
cette journée dans l'ensemble, on va dire que ça peut aller, malgré que ça aurait pu être mieux. Ce matin, on est parti en réglage un peu soft, donc du coup, beaucoup de sous-virages. Et puis, on se plaignait avant le rallye d'avoir beaucoup de carrossage. Et en fait, à la fin de la première boucle, on avait les 30 qui étaient complètement... complètement mort, donc du coup on a dû partir avec un autre choix de pneus et qui était pas le bon du tout. On est parti avec du M20 devant et du S10 derrière, donc c'était très très tendre. Et dans les trois premières ça nous a pas trop gêné, mais dans Camporias c'était vraiment très gênant. En fait l'auto, au lieu d'avoir du calage, on avait toujours du ripage, donc voilà, ça c'était un peu le truc un peu chiant de la journée. Mais écoute, dans l'ensemble on n'a pas fait de bêtises, on est là et demain il faut faire la même, finir et puis voilà. On va faire la danse de la pluie et espérer qu'il pleuve. Mais bon, ça va pas être évident le choix des pneus là. Bon, je sais que ça va le faire. Ça va être bien mieux que hier. La droite 140 moins coupée derrière. La droite 130 moins. Dans gauche 130, il ferme long 90. Dans droite 130, moins coupé. 80 mètres. Droite 110, moins. Et droite 110 plus. 50 mètres. Gauche 140. Gauche 130, coupé léger. Dans droite 140, moins coupé. Dans gauche 140, moins coupé. Dans droite 130, coupé derrière. 50 mètres à la maison. Droite 110 sans frein, coupé. Pour gauche 50, surtout pas corde. Droite 110 sur gauche 50, à gauche 130 de suite. Pour frein en haut, gauche 90 plus. Gauche 130 en haut. Là-haut, dans gauche 90 plus derrière. Gauche 90 plus, il est là. Dans droite 70, pourri. 50. 30 mètres. Gauche 140, moins. Dans gauche 140. Dans droite 140, moins. Coupez ça, attention. 50 mètres. Droite 130, gauche 130, après bosse. Et droite 140, moins. Coupez, rasé. Dans droite 140, moins. Coupez. 80 mètres. Gauche 140, moins. Gauche 140. Droite 140 moins, 50 mètres, droite 140 derrière. Sur gauche 140 moins Milan, dans droite 130 moins rasé. Gauche droite 140 moins rasé, 50 mètres frein, gauche 70 derrière. Gauche 70. Eh bien, 17, 14, 42. T'as trouvé comment? Ben moi j'étais nul à chier, mais ça va, tout était bien. On va pas rentrer un peu. Hein. J'ai bien une belle lurette qui a plus personne en avant. Droite 140 long. Et gauche sur gauche à fond en ciel. Dans droite 140 derrière, 200 mètres. Au bout frais pour gauche 130. Dans gauche 140, moins vous entrez. Hein. Droite 40. On a 10 d'avance. 50 mètres gauche 130. Il ouvre 140 noir. 200 mètres au panneau. Gauche. Arrivé dans gauche 90. Yes, ma poule. Bien joué. Attends, j'en profite. Tu me l'as pris une semaine.
m'entends, Max? Allô, allô. Test Michel, Michel au poste 12. C'était un rallye compliqué pour moi, je pense. J'étais pas vraiment dans le bon move, on va dire, dû à toutes les sorties qu'on avait fait auparavant. Du coup, j'ai pris un copilote, jeune copilote débutant, et avec qui ça s'est très bien passé. Et voilà, écoute, non. Après, l'objectif c'était vraiment de finir le rallye du Rouergue, même si c'est le rallye à la maison et que j'aurais aimé vraiment être beaucoup plus performant. Je sais que devant ça va très vite. Et puis bon, voilà, c'était vraiment un rallye qu'on voulait finir. Avec Max, ça s'est super bien passé dans la voiture, on a quand même pris du plaisir. La Stellantis a été pour nous une bonne expérience, et malheureusement ou heureusement, je sais pas, comme tu le sais, on a arrêté la Stellantis pour plusieurs raisons. Parce que déjà la première, il n'y avait plus d'objectif pour nous au trophée expert. En plus de ça, j'ai voulu passer à autre chose. La 208, c'est une voiture qui m'a bien plu, mais bon, on a manqué de chance pas mal de fois, donc on va passer à autre chose pour passer sur une autre voiture, et puis voilà, on verra pour la suite. C'est la première fois qu'on roule ensemble, ouais, franchement ça s'est très bien passé, on s'est vraiment régalé avec Nico, un beau rallye. C'était compliqué par rapport au changement de temps tout le temps. Bon, on a su tirer l'épingle du jeu, on a fini le rallye, et c'est ce que Nico voulait faire, donc je suis content pour lui, je suis content pour la team, et voilà. Alors la nouvelle voiture, clairement j'avais envie d'une R5, hein, on va pas se le cacher. Et j'étais sur... J'étais turbo. J'étais turbo, hein. Enfin, plutôt avec un turbo. Et du coup, en fait, j'hésitais entre deux choix, entre la Hyundai et la DS3. Et puis le choix s'est porté, j'ai une opportunité sur une DS3, donc on a la voiture qui est à la maison, et on a hâte de monter dedans. C'est toi qui vas rouler avec papa, tous les deux? Ok, donc on va aller demander au chef. Ok. Salut Aurélien. Ils ont tout là-bas, mais ils vont s'en occuper. Moi, je prenais le numéro. Oh ouais, ça va, pas de soucis. Et oui, Yari, on va lever. Écoute, super, on a fait une bonne séance d'essai hier. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait par manque de temps. Mais écoute, on se sent bien, c'est une nouvelle voiture qu'on découvre. Donc demain en plus il pleut, donc on va voir comment ça va se passer sous la pluie. Mais écoute, globalement la voiture nous plaît bien, et il nous tarde d'être à demain pour être avec tous les copains. Et puis voilà, et on verra ce que ça dit après les premières spéciales. Main gauche, 130, check. Main gauche, 130, moins. Main gauche, 90. Sur droite, 140, moins. Main gauche, 130, coupé. Pour gauche, 130, moins. Main droite, 130, moins, moins. Pour droite, 130. Main gauche, 140, moins, moins. 50, de suite. 150 mètres. Gauche, 140, moins, d'un pied. Non mais c'est qu'elle coupe, c'est casse-couille. Ah bah bon. 150 mètres, gauche 140, moins moins coupé. Et 50 mètres, droite 140, moins moins trail. 30 mètres. Essayer du réglage, on va voir. Il m'a dit regarde la VVT aussi. Dans gauche 140 à fond, dans gauche 140, pour droite du orage, 80 mètres frein, dans gauche 140. Et 150 mètres, gauche 130 moins, jette dans droite 140 moins.
gauche 140 fini, ici à la fin. La droite 140 moins tard. Troisième de ce classement général. Vous allez rester avec nous, vous serez à l'abri. Ouais, on va rester là. C'est pas mal finalement, tu vois le podium. Félicitations, merci mon cher Dani. Bah, écoute, en dame de rallye, qui aurait pu mieux commencer parce qu'on a eu une panne pendant 4 spéciales. Donc c'était pas génial, mais on a réussi à sauver les meubles. Et puis dans la dernière spéciale, ça a marché, on a pu changer la pop-off qui nous faisait déclencher qui faisait des déclenchements. Et donc la dernière, ça a super bien marché, on a pu bien attaquer, puis ça avait séché. Donc voilà, on termine par une belle troisième place sur le podium et on est très très heureux et on a hâte d'être au prochain rallye.